dans la bataille pour changer la condition de la vie du peuple haïtien. Jodia, c'est 18 novembre 2018. Nous voulons commencer par féliciter le peuple haïtien qui est sorti dans la rue, tout partout dans le pays, dans Port-au-Prince, dans la province, sous mot d'ordre citoyen avec citoyenne qui fait partie de l'opposition démocratique là et qui fait partie de groupes dans la société civile là. Je dis à, malgré menaces qui te gagnent sous journée, malgré intimidation qui te gagnent, malgré pouvoir Jovenel Moïse là, te voyez moun al tirer tout partout et plus particulièrement dans Port-au-Prince. Malgré ça, le peuple a sorti dans la rue, a, pas bonne, pas paquet. Les nous considérer, quand il y a des gens qui sont dans la rue, dans Hench, dans Mian Balai, les nous considérer, quand il y a des gens qui sont dans la rue, dans Grand Danse, dans Jérémy, dans le département Nip Miragouane, dans Tigouave, dans Léogane, dans Jacques Mel, dans Saint-Marc, dans Cap-Haïtien, dans Fort Liberté, dans Port-au-Prince, nous capables de te gagner environ 2 millions haïtiens avec haïtiennes qui te prennent la rue tout partout dans le pays pour dire nous besoin pour procès Petro-Caribé à fait pour nous finir avec corruption dans le pays, pour nous tracer un exemple pour dirigeants qui viennent diriger le pays demain matin, pour qu'ils connaissent l'agent l'État, ce n'est pas choix le papa. Il faut respecter l'agent l'État. Il faut que l'agent l'État serve pour changer les conditions de la vie du peuple là. C'était la première revendication. Hein? Mais deuxième revendication. Hein? Et c'était revendication ça que vous dit dans toute manifestation. Il faut que Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Parce que le peuple est intelligent. Le peuple comprend. Jovenel Moïse, c'est monde qui volait l'agent Petro-Caribé qui mettait le président. Le peuple a compris, Jovenel Moïse, lui-même tout, il participait dans le volet plus passé 3,8 milliards de dollars américains, l'agent Petro-Caribé. Volait par contre, jugé volait. Le peuple a compris, depuis Jovenel Moïse, là, pape Jean a un procès Petro-Caribé. Le plus facile pour un chameau passer non Jésus-Christ, que procès Petro-Caribé t'a fait avec un nègre qui volait l'agent Petro-Caribé tant que Jovenel Moïse. Une autre fois encore, nous félicitons le peuple haïtien pour courage, li, pour détermination. Nous félicitons l'intelligence li tout. Et toute manœuvre division qui t'a fait, montrer que moun qui sont dans la politique, gen qui pas dans la politique, à essayer de diviser jeunes avec moun qui sont dans la politique, bagay ça n'a pas passé, nad marénade, c'était deux mots d'ordre. Démission Jovenel Moïse, procès Petro-Caribé. Félicitations, peuple haïtien. Jodia, bilan partiel, nous capables de présenter ben la presse, ben la nation. Dans tout le pays, nous déjà compté 11 cadavres. Moun qui mourit au Cap-Haïtien, moun qui mourit Port-au-Prince, moun qui mourit Tigouave, moun qui mourit l'autre côté dans le pays, dans Pétionville, nous avons 11 cadavres sous bras nous. Deuxième bagaille, nous joignons 47 personnes qui sont blessés avec balles dans la manifestation qui fait tout partout aujourd'hui dans le pays. Troisième bagaille, nous joignons 75 personnes qui joignent arrestation tout partout dans le pays. Et il y a 10 là-dedans, après intervention avocat dans le secteur démocratique, là, qui déjà joignent libération. Et nous avons noté, nous avons signalé. N'a fait tout le monde comprendre. Un PHTK numéro 2A, te mette dans toute la rue, caché dans une série de cailles pour attendre quelques dirigeants dans le secteur démocratique là, quelques porte-parole dans le secteur démocratique là, pour être capable d'assassiner, faire la dernière sous yo. Mais heureusement, nous avons gagné information à temps. Il y a des gens tout partout dans le pays. Il y a des gens tout
dans le corps diplomatique là que nous remercions, qui te bat nos informations, hein, et ça fait, nous te prenons toutes précautions qui étaient nécessaires. Jeudi, 17 octobre, rive 31 octobre, il y a 8 personnes qui ont assassiné. La Saline, nous déjà constaté qu'il y a plus de 50 personnes qui ont assassiné. Ça veut dire qui ça? Bataille politique l'arrivée non point de non-retour. Coup de fusil tiré, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui mourent, pas d'arrangement qui est possible. Je dis, au nom de la morale politique, secteur démocratique là, opposition, les gens qui croient dans la démocratie, nous pas gagnent rien, nous capables de négocier avec Jovenel Moïse. Parce que nous pas capables de jamber cadavre, frère nous. Avec ce nous, ils ont assassiné pour nous négocier ce pouvoir. Je dis, il y a une seule option qui est claire. Jovenel Moïse, c'est un cadavre politique. Pas aucun gens pour continuer à être dans tête pouvoir comme président pays. Un cadavre politique, c'est dans le cimetière ou menel. Même si c'est petit garçon ou pyramide qui mourit. Même si c'est petite fille ou pyramide qui mourit, ou pas gagner l'autre choix. Que mène elle dans le cimetière. Et je dis, dans nos secteurs démocratiques, secteur populaire, nous avons dit encore, nous ne voulons pas tomber dans la provocation. Nous sommes une opposition démocratique, une opposition responsable, une opposition éclairée, une opposition disciplinée. Nous ne voulons pas mener le pays dans le chaos. Mais nous disons, c'est le secteur privé qui est victime d'un événement. 6, 7, 8 juillet 2018, là, moun qui ses amis d'Haïti, dans la communauté internationale, là, moun qui dans la société civile, moun qui dans la politique, bon baray qui clair jodia. Seul gens, et c'est vrai, c'est la vérité, seul gens pour Haïti pas tomber dans une situation de chaos total, pour pays à pas tourner dans Himalaya de cadavres. C'est pour Jovenel Moïse qui te pouvoir. Pas de solution avec Jovenel Moïse comme président. Et mot d'ordre là, l'éclair, c'est bloquer le pays, mettre barricade de tous côtés jusqu'à ce que Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Et dans ce secteur démocratique là, Jean Noutel Fell, après manifestation 17 octobre 2018 là, moun qui blessé, n'a pas continué à accompagner yo. Grand pile là-dedans, nous déjà voyé l'hôpital. Moun qui arrêté, n'a fait libérer. N'a continué à prendre responsabilité, nous. Mais nous croyons, l'important pour tout le monde comprendre, aujourd'hui, c'est fini pour Jovenel Moïse. Mission Jovenel Moïse, fini. Jovenel Moïse, pas rien qui bon, il est capable de faire dans le pays encore. Seul ça qu'a fait, c'est tuer 5 moun en plus. 10 moun en plus, 15 moun en plus, 20 moun en plus. Jovenel Moïse, président, pas jamais gen stabilité dans le pays. Pas jamais gen la paix, pas jamais gen le calme. Seul gens pour nous engager le pays sous voie stabilité politique, la paix, réconciliation nationale, conférence nationale, dans l'intérêt de tout le peuple haïtien. C'est pour presser, nous négocier en sortie de crise politique pour Jovenel Moïse quitter le pouvoir rapide. Pour nous capables de jouer la paix, jouer une stabilité politique dans le pays d'Haïti. Merci en pile. Non, on ne peut pas faire ça. Oui, c'est dans les femmes là. C'est des lois. Pourquoi on ne peut pas parler anglais? Non, on ne peut pas parler anglais. Ok. À travers toute organisation syndicale qui est dans le secteur textile, nous faisons appel de solidarité avec la classe ouvrière haïtienne. Je ne dis ça, l'ITSA a mené contre Jovenel Moïse, là, président patron, yo, président oligarchie impérialiste, qui tout le temps a exploité nous depuis 3-4 siècles dans le pays. Ya. Nous avons milité, nous avons manifesté pour nous demander 1000 gouttes comme ça, le minimum. Pour voir ça, au lieu de banoul, c'est répression. Vous voyez la police venir tirer sur nous. Vous ban nous gaz et vous révoquez nous abusivement. Peut-être nous défendons le droit, nous défendons l'intérêt. Pour voir ça, violer les 8 conventions fondamentales OIT, Organisation internationale du travail.
Pouvoir ça, c'est pour un pouvoir qui a représenté la classe ouvrière. Je vous dis, on a demandé 1000 gouttes, Jovenel Moïse, pas Manoul. Ça veut dire dans l'autre pouvoir qui gagne, pouvoir transition, qui peut former, ça y est, la conférence nationale là, à travers le secteur démocratique et populaire, je crois que les travailleurs, ouvriers, classe ouvrière, les syndicats, ou pas les représentants, qui sont capables de plaider cause dans ce petit tripartite, dans le gouvernement qui vient, dans l'idée pour nous capables de joindre la libération nous, en bas classe oligarchie ça, qui a exploité nous, qui mettait le système, l'esclavage généralisé. Je ne dis pas, nous remercier tout ouvrier, au Ramio, qui était présent dans le maniflant, ouvrières, qui nous gostra, nous féliciter, nous dit l'état pas campé. Mais si bon Dieu voulait, nous demander avec tout travailleur, nous connaissons nous-mêmes qui étaient la Saline, c'est nous-mêmes qui étaient Cité Soleil, c'est nous-mêmes qui étaient Canaran, Onaville, solidarité nous dans CNOA pour le peuple Canaran qui a assassiné abusivement avec complicité gouvernement criminel ça qui débat nous salaire criminel là tout. Nous voyons solidarité nous tout pour travailler ouvrier peuple la Saline. Jodia nous c'est la Saline parce que nous victimes sans nous couler, les pas couler pour Messi. Nous demandons avec peuple travailler Cap Vive Gravine, Matissan, village de Dieu, village solidarité et Simon Pelé. Des merci bon Dieu voulait, c'est bloquer zone. Dans l'idée pour une libération, nous, en bas classe, en bas l'état, tu le patron, ça, en bas l'état, tu l'impérialiste, ça, dans la position pour nous capables de joindre un bon salaire décent, pour nous capables de joindre un travail décent avec accompagnement social. Et je vous remercie, bon Dieu, tout le peuple qui vit tabac, travailleur qui vit dans toute classe pays, dans tout pays, ce n'est pas manifesté aujourd'hui, et puis des messieurs pour nous camper, tout en que couleur n'a pas battu net. Vle par vle, faut que Jovenel baille pays a et c'est mot d'ordre ça que nous même nous prend dans nos personnels nous. Merci. Attends. On l'autre fois encore. Nous disons bravo, bravo pour le peuple haïtien, bravo pour la jeunesse haïtienne qui montre détermination pour mener la bataille ça, pour arriver à déboucher sur la libération du pays d'Haïti. Malgré un pile intimidation, malgré un pile diversion, malgré le massacre la Saline, malgré environ 3 milliards de goudes que le pouvoir ça a débloqué pour te payer attaché. Bayo zam, bayo uniforme police, pour t'al tirer sur moun, pour te créer trouble dans le quartier populaire, pour te empêcher que nous débouchions sur quelqu'un chaîne soulèvement ça, que nous arrivons à connaître jeudi 18 novembre. Là. Comme nous t'ai toujours dit, Jovenel Moïse ou pas de jambes reconnaître présence dans le palais national. Et je dis à 215e année de bataille 20e là, Jovenel Moïse montre qu'il s'est le passé. Son cadavre gâté qu'il y a. Et nous reconnaître, malgré qu'il y a un pile monde qui est victime, dans la mobilisation, ça, je dis, à travers tout pays, mais peuple a déterminé, et pendant que je parle ensemble avec nous là, il y a un pile monde qui continue à manifester dans la rue. Parce que détermination, c'est Kimber la rue, jusqu'à ce que Jovenel Moïse quitte le palais national. Et nous disons, si veillez frontières, si veillez en époque, pour Jovenel Moïse pas sauver avec toutes mes CPHTK qui fin gagoter 3,8 milliards de dollars américains sans compter ensemble des crimes financiers qui fait dans le pays pour le prochain gouvernement qui a privé là pour que nous capables faire un pour nous capables arriver faire organiser un jugement équilibré, un jugement équitable pour tout le monde qui participait dans le crime politique, dans le crime financier contre le peuple haïtien pour faire ça pour nous dire. Bagay ça a fini, la question là on est entré dans le pouvoir, il connaît le pouvoir, son boutique qui est lié, c'est gaspiller l'argent de l'État, c'est gaspiller comme taxe pour nous. Et nous dit tout le monde qui est dans le quartier populaire, et nous dit tout le monde qui est dans le monde paysannerie, qui est dans le secteur privé des affaires là, qui est dans la communauté internationale là, je dis à pays, il est ingouvernable. Nous gagnons, messieurs, que les Jovenel Moïse qui perdit contrôle pays.
peuple haïtien pas reconnaître dans le palais national. Donc c'est ça qui fait que nous disons mobilisation la continue. Non seulement Jovenel Moïse déjà tombé, mais c'est continuer mobilisation pour nous arriver à bataille contre le système ça, qui sont systèmes archaïques, qui sont systèmes rétrogrades, qui sont systèmes anti-peuple, pour nous arriver à déboucher sur l'autre système qui va permettre que les droits fondamentaux du peuple haïtien capable de respecter. Une autre fois encore, jeunesse là, tout peuple haïtien, mobilisation, mobilisation, mobilisation. Jovenel voulait sauver, quitter le pays. Nous ne pouvons pas quitter le sauver. Il faut le rester dans le pays pour répondre à tout crime qu'elle commet contre le peuple haïtien. Très mauvaise décision. Pendant que nous remercions encore le peuple haïtien pour courage aujourd'hui, pour détermination pour venir défier Jovenel Moïse, nous continuons à avoir une pensée spéciale pour des gens qui sont blessés. En pile compatriotes qui couchaient dans le morgue aujourd'hui encore. Parce que Jovenel Moïse, décidément, après le massacre que le fin fait la Saline, après le massacre que le fait 17 octobre, la décision c'est pour finir avec le peuple haïtien. Et je dis encore, nous avons près de 11 personnes qui mourent, nous avons pile de personnes qui blessés, parce que Jovenel Moïse dit, la monte avion pour quitter le pays, même si nous disons que c'est dans la pénitentiaire nationale pour aller, mais avant d'aller, il faut massacrer un pile de personnes. Ça fait nous mal. Nous clair que la presse, vous l'avez constaté, il y a un président nommé inculpé qui n'est pas arrivé là, vers hier, le 18 novembre 2018, pour prendre la parole. C'est un président sans pantalon, un président déchu, un président bébé, un président petit bébé, un président qui tombait, qui n'a pas rien. Le 1er janvier 2004, malgré tout ça que tu as dans le pays, Jean-Bertrand Aristide, t'as le go naïf. Malgré t'as tiré. Malgré tout le monde qu'on est 1er janvier 2004, c'est ton bataille pour franchise douanière qui t'a faite. C'est ton bataille qui t'a faite pour empêcher nous commémorer notre bicentenaire d'indépendance. Jean-Bertrand, t'as le go naïf. Alors, ce lâche, ce poltron, ce rien du tout, ce petit, là, au cap, ce minable pour dire. Il peut là, il pas qu'à le gonaï, il pas qu'à le vertière. Et le fait que Jovenel Moïse pas allé vertière, ça veut dire ce que ça veut dire, pas gué Jovenel Moïse encore dans le pays ça. Et nous dit peuple là, à partir de ce présent moment, c'est transition qu'a réfléchi. Et sénateur Nenel, pour le reprendre encore les grandes lignes de la transition, nous pas dans Jovenel Moïse, nous pas reconnaître Jovenel Moïse et toute décision que pouvoir ça prend à partir de ce présent moment, nous pas reconnaître décision ça yo. Et c'est ça que fait nous dit peuple là. Je nous te dis là pour le sortir avec toute bagaille li nan men, ça nous t'entend pas ça. Bosse dans assiette li, chaudiel, rate de rechange li. QL, nous te demandons pour sortir. Nous comptons que toute bagaille li yo, non, voilà, toute bagaille peuple là toujours dans la valise li. Nous dit peuple là, même si bagaille là demain matin, et si possible, bosser dans pi plus, manger pi plus, faire pa yo pi plus que aujourd'hui. Parce que demain, nous avons passé nos phases supérieures. Quelle phase? Nous avons bloqué tout le pays. Ya. Nous pas dans grève. Nous pas dans trêve, nous pas dans campé, nous pas dans mot doux, nous pas dans dialogue. D'ailleurs, nous est le président nommé inculpé, fait un discours aujourd'hui, il dit yon bagay la dan ki bon. Il reconnaît que son amateur lié. Nous te disons ça. Son incapable, c'est un amateur, c'est un imposteur, c'est un prédateur, c'est un incompétent. Il reconnaît ça. Au moins, il a eu la sagesse ce matin de reconnaître qu'il est un amateur. Nous dit secteur privé. Nous ne voulons pas de chaos. D'ailleurs, nous, du secteur démocratique populaire, national et populaire, nous l'avions dit à maître reprise, le binôme peuple-secteur privé, c'est un binôme que nous encourageons. Ça, nous voulons dans le secteur privé, c'est pour créer emploi, pour diminuer le chômage là, nous ne voulons pas le business écrasé. Mais,
Faut secteur privé a pas coûter moun k'ap di l kembe incapable la toujours kembe mango musa qui getan détaché nan pied bois c'est croqué a quitter mango a tombé Jean peuple la getan râlé l pou tombé a n'importe qui moun qui a essayé kembe Jovenel Moïse côté l croqué a ou met connait c'est ou k'ap responsable chaos c'est ou k'ap responsable effusion de sang c'est ou k'ap responsable violence k'ap émaillé nan prochain jour k'ap vini nan pays an parce que nous du secteur démocratique nous voulons la stabilité la paix voilà pourquoi nous déjà fait toute bagaille qui gagne pour faire après le départ de Jovenel qui déjà pas là comme président c'est un lâche. Il déjà allé, il déjà dit pas capable, nous dit à partir de demain, le mot d'ordre est clair. Mounio qui voulait préserver Timounio, qui remet Timounio, quoi, nous dans le secteur démocratique là, comme vous les journalistes, vous aimez vos enfants, gardez-les chez vous. Nous aimons les nôtres, nous allons les garder chez nous. Pour qui ça? Parce que Hitler, à partir de demain, nous ne pouvons rien arriver, aucun Timoun dans la rue, parce que Jovenel met un bon assassin. On met un sniper pour tirer les gens dans le secteur démocratique là. Nous ne voulons pas rater Sibio pour ces petits gens pour le prendre. Les gens qui ont une machine sans plaque, à partir de demain matin, ils ont commencé à tirer depuis 4h du matin. C'est ça nous apprenons. Dominique et mercenaire qui entrent dans le pays, nous ne voulons pas ces petits gens qui apprennent à l'école qui prennent balle. Nous demandons à tous les parents de garder les enfants chez eux parce que Jovenel Moïse est en délire, il a perdu le nord, il a perdu la tête, et il va commencer à intensifier l'assassinat qu'il a commencé. Nous dit, demain, si l'aide de Monsieur Jovenel ne vient pas sous tapis, nous la madi dans la rue. Tout autant Jovenel Moïse pas venu, nous avons gardé barricade campé. Et nous dit peuple là. Veillez barricade pour commencer à intensifier à soi. Veillez pour que nous ne pas venir prendre barricade ni défaite barricade. Parce que nous disons, c'est sous barricade ça nous avons une libération. C'est avec barricade ça nous avons un pays nous rêver, pays nous voulons pour nous vivre. Un pays dans lequel nous n'avons pas un taux d'inflation qui avoisine les 14 et 16%. Un pays dans lequel on ne va pas avoir un taux d'échange de 78 gouttes pour un dollar. Un pays dans lequel on ne va pas avoir un déficit budgétaire avoisinant qui frôle 26 milliards de gouttes. Un pays dans lequel on ne va pas avoir un vaurien, un avatar, un avani, un irresponsable tant que Jovenel Moïse. Merci beaucoup. Salut la presse, même Jean, l'autre camarade Diofel, parce que je crois journaliste depuis matin dans la rue, et nous par contre qu'il est avant entré. Et si maintenant des mots d'ordre, camarade Diofel saute là, ça veut dire pas qu'il rentre la caille. Nous allons faire plus de temps toujours dans la rue à journaliste. Et je crois que le peuple là, remercie nous parce que nous avons kembe peuple là informé de ce qui a passé dans la rue. Moi salue courage peuple haïtien qui prend engagement et qui répond à rendez-vous 18 novembre. Moi salue particulièrement le nord. Garçon, femme, caproyo, yo gagne un combat avec là. Jovenel Koury, il vient réfugier dans Mipana, il a cherché jusqu'à présent au bagage. Ça veut dire, manche bataille ça, nous gagnons. Puisque nous gagnons manche bataille ça, on reste mobilisé pour proposition que nous gagnons. Alternative que le secteur démocratique a gagné, il est appliqué. Parce que dans la revendication de la population, il y a trois éléments fondamentaux. Il y a départ Jovenel, et que je dis, avec absence Jovenel dans Vétière, nous considérons que le peuple a déjà obtenu le départ de Jovenel. Deuxième revendication, c'est le procès Petro-Caribéa. Il faut que la mobilisation continue pour le procès à fait. Mais il y a une chose qui est fondamentale. L'assassinat qui a fait sur le peuple, criminel, ça n'a pas prêté, ça va juger. Ça veut dire, désormais,
nous avons l'autre revendication qui c'est jugement assassin ou criminel. Mais entre temps, quand on a parlé là, en tant que secteur démocratique, populaire, qui est responsable, nous pas capable d'être indifférent. Et c'est dans le cadre de ça qu'on a présenté à la population l'alternative qui nous a proposé. Alternative ça, nous avons un pilote secteur dans la société à reprendre. Majorité pour eux, c'est des points communs. Par exemple, prenons un juge dans le cours de cassation pour venir comme président. Tout le monde dans la société est d'accord. Question ça. Ce n'est pas nous, secteur démocratique là, qui demandons pour venir président. C'est pour une bataille pour pouvoir. Ça veut dire tout le monde d'accord doit un juge qui sorti dans le cours de cassation et qui pour remplacer Jovenel dans le palais national. Arrivé à ce moment, il faut que nous gagnions un premier ministre. Et le premier ministre l'a sorti dans le secteur démocratique et populaire, largement large. Parce que actuellement, tout parti politique de l'opposition, toute organisation qui a bataille dans l'opposition, tout syndicat qui a bataille dans l'opposition, ils ont pour un premier ministre qui sorti en dans l'opposition, particulièrement dans le secteur démocratique largement large là, et qui pouvait diriger le gouvernement. Et le gouvernement n'a pas l'air, ce n'est pas le gouvernement, le secteur démocratique là seulement. C'est tout le monde en dans le pays. Tout secteur, société civile, les partis politiques, même PHTK, absoutable pour discuter le gouvernement largement large. Secteur privé a bien pour le dire partout. On a parlé avec leurs amis dans la communauté internationale. Là. Parce qu'il y a des investisseurs dans le pays là, qui sont la caille. Ça veut dire qu'il faut nous garantir l'intérêt investisseurs à travers les missions diplomatiques qui sont dans le pays. Là. Et nous dit peuple là, pendant la mobiliser, nous-mêmes, nous avons fait consultation pour nous monter pour la transition pressé. Et dans ce sens, on a demandé au peuple de camper dans la bataille de mobilisation. Parce que le gouvernement de transition a des responsabilités claires qui se prennent créer travail pour les jeunes garçons et les jeunes femmes, qui se prennent arriver avec la conférence nationale souveraine, non, côté tout secteur par sous table. Quel que soit le secteur qu'il y a, de vous pas criminel, de vous pas voler, de vous pas assassin, place sous sous table la conférence nationale. Là. Nous prenons la bataille tout, et je ne dis, non, alternative nous, policiers, nous ne pouvons pas quitter Jean-Ruy. J'ai manipulé parfois parce que ils sont trop vulnérables. Ils ont des problèmes économiques. Ils n'ont pas d'assurance vraiment. Ça veut dire que nous prenons le pencher sur la question. Ça. Ouvriers, nous prenons ajuster le salaire ensemble avec le patron. Un salaire raisonnable. Professeur de l'école, yo. Nous prenons le travail ensemble avec eux. Petit machin, nous prenons le travail ensemble avec eux pour nous permettre qu'ils soient capables d'avoir accès avec crédit. Médecins, infirmières, ouvriers, ouvriers qui, à travers le pays, nous prenons le penser avec eux. Chauffeurs moto, nous prenons des programmes spéciaux pour eux. Parce que, définitivement, mission nous, c'est pour créer un climat pour favoriser l'investissement, retourner avec la paix, sécurité, permettre création d'emplois en notre pays, besoin de basio, électricité, courant, l'eau, route, l'hôpital, l'école, logement pour tout le monde. Ça veut dire, à partir des négociations qu'a faites de jeudi à pour arriver à remplacer Jovenel dans le palais national avec le gouvernement, nous avons arrangé nous pour nous répondre avec toutes les revendications et mettre un gouvernement en place. Nous n'avons pas oublié les journalistes surtout. Et qui joue un rôle fondamental dans la société. Et immédiatement, nous arrivons avec la conférence nationale, nous accouchons une constitution qui pourra renforcer l'institution pour nous garantir la démocratie. Nous pourrons aboutir avec une élection générale libre, honnête et démocratique. Et là, ça, nous ne pouvons pas une élection capable de coucher des nouvelles crises encore dans le pays. Nous pourrons fermer vannes
jeunes garçons, jeunes femmes qui ont quitté le pays pour aller humilier dans l'autre pays. Ça veut dire définitivement que le pays a pris la responsabilité. Et c'est peut-être ça, partenaires internationaux, nous avons continué à parler avec eux. Et c'est peut-être ça tout, nous avons une responsabilité pour parler avec les diplomates, les bailleurs de fonds, pour nous voir comment nous pouvons relancer l'économie. Je m'attends de Dr. Chile là, les amis, la situation est triste. Nous ne devons pas connaître les indicateurs macroéconomiques, mais ils sont très tristes pour le pays. Inflation, taux de chômage, taux d'échange, balance des paiements, balance commerciale, tout ça, c'est des bagailles critiques qui montrent que nous en face de misère, tête chargée, de misère noire dans le pays. Et dans ce sens, il n'y a pas d'autre route, c'est mobilisation. Nous ne pouvons pas nous pour longtemps, nous croyons que le mot d'ordre est clair. Dans la ronde bataille que nous avons, nous n'avons pas de temps encore pour nous dormir. Nous n'avons pas de temps encore pour nous penser à l'autre date. Et nous n'avons pas de secteur privé. Nous n'avons pas de communauté internationale. Nous n'avons pas de opinion nationale pour nous dire qu'on a pris de temps, on a pris de garder. Pour nous déboucher sur le chaos, pour nous déboucher sur l'autre massacre encore la saline. Nous n'avons pas de l'air. Et c'est peut-être ça, nous avons dit, jeunes garçons, jeunes femmes, tous citoyens conséquents dans le pays, rester mobilisé. Et nous avons constaté, tout le monde nous recensé, c'est des jeunes garçons qui ont tué. Parce que définitivement, il y aurait une révolution sociale, ça, ces jeunes qui ont mené, et ils ont dit, ils ont fini avec nous. Ils ont fait une partie, ils ont tué nous, et nous avons misé, nous avons chômage. Définitivement, prendre responsabilité, nous, bataille là, c'est nous pour faire. Et nous avons été quoi? L'enfin, il y a une bataille de vertières qui sont batailles symboliques, c'est que victoire nous mène, nous, reste bataille là, nous fait le plus pire. Voilà, téléspectateurs internautes Radio-Télévision Caraïbe. Nous avons suivi en direct la conférence de presse que le secteur populaire démocratique a lui-même été présenté. C'est sous un bilan partiel de journée manifestation dans le moment que. Nous avons parlé là. Alors, à titre de rappel, nous fait qu'on est que Gagné et M. André Michel qui te prend la parole en premier, qui fait qu'on est. Et pour bilan, Gagné 11 cadavres qui ont recensé, Gagné 47 blessés par balle et puis 75 arrestations et Gagné 10 déjà libérés. Et nous fait qu'on est. Et mot d'ordre là, c'était démission du président Jovenel Moïse avec procès sur Plateau Caribéa et le même fait qu'on est mobilisation après à poursuivre. Demain, c'est levé, la continue jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse démissionne d'après ça, au fait qu'on est. Pour l'autre fois, merci pour fidélité à Radio Télévision Caraïbes. Restez branchés télévision pour cette programmation. On a bien pour nous donner à n'importe quel moment, si toutefois il y a une évolution, dans le cadre et bilan et journée manifestation, ça, 18 novembre. Ça. Pour l'autre fois, merci pour fidélité. C'était moi-même, Grégory Jean-Philippe, Éric Saint-Hilaire, Jefferson, Philogène, avec Clergé, qui était pour mettre notre vive. Dernier détail ça haut, dans le cadre conférence bilan secteur démocratique populaire, les mêmes t'as présenté là, non, et café des copains, une autre fois, merci encore. Qui fait quoi, quand, comment, Télé-Caraïbes est partout naturellement. Vendelive couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité, ou toute autre activité. Vendelive en toute ponctualité. Vendelive, nous sommes directement présents dans tous les événements. Il y a un pile problème matériel la police et avec nos amis étrangers dans le partenariat avec la MINUSJUS, nous rendons compte que la police a fait un travail extraordinaire de professionnalisme que nous ne voyons jamais et tout le monde constate depuis ce matin comment les rues sont organisées, comment la police a évolué et comment la police entend que les gens manifestent dans leurs droits mais sans que ne pas arriver à faire la violence. C'est certain qu'il y a des gens qui essayent de faire des bagailles. Mais la police toujours était tête frette. Nous voyons, ils ont provoqué la police, ils ont provoqué le monde. La police était tête frette avec la commande qui fait ici là et le relais qui a fait entre la direction générale, le haut état-major et toute unité dans la rue. Nous voyons ce bagaille professionnel qui a fait. Nous sommes tenus à féliciter le haut état-major, le directeur général de la police, à remercier aussi les partenaires étrangers qui sont avec nous et qui ont gardé, qui ont évolué avec nous.
nous avons tenu à faire ça. Et puis, nous profiter, faire une visite et relever avec les guides de la police tous les petits problèmes qui gagnent pour que nous soyons capables de résoudre tout de suite. Donc, nous ne pas comprendre que la police, avec très peu, a réalisé autant. Mais là, je dis nous, sincèrement, le gouvernement déterminé pour que nous renforcions la police chaque jour plus pour que le pays soit capable en paix. Parce que ça n'a pas gardé là, il n'est pas belle, le monde a crasé, brisé, crasé, machine, mettez du feu. Son pays capitaine pour le monde vient là-dedans. Son pays capitaine les visiter. Son pays capitaine tourisme vini. Son pays capitaine investissement vini. Pas grand 15 gens investissement vini. Pas grand 15 gens touristes vini. Là que c'est dans ça, nous y est tout le temps. Il y a le temps pour nous comprendre. Violence n'a pas mené dans quel côté. Manifester, c'est normal. Tout le monde qui doit manifester, c'est une attribut démocratie. Mais manifester sans violence, c'est ça qui doit la règle. Et c'est ça que nous souhaitons que tout le monde comprenne. Jodia, nous voulons, encadrement de la police, bâille tout le monde confiance. Pas une raison pour nous comprendre que vous êtes capable de venir à la manifestation, c'est des ordres. Et si c'est des ordres, la police va mettre l'ordre. Mais nous voyons, tout le monde a passé très bien jusqu'à présent. Nous remercions la police, nous remercions tout le monde. C'est ça qui explique que nous présents la Jodia avec quelques ministres qui ont décidé d'accompagner nous pour nous venir parler avec la police. Pour nous féliciter la police qui a fait un travail extraordinaire. Et donc, il y a un message de la circulation entière, hier soir, il y a un monde qui attend que la PM ait un message. Le président, matin, le président, il y a un message qui passe, ou même un message pour avoir un message président pour dire la population de Kissa, et personnellement, soit un petit message. Bon, il faut comprendre que nous avons une ligne, comme administration, Moïse, nous avons une ligne. Dans le comportement et dans le message que nous avons envoyé. Et dans le désir, dans la volonté de rencontrer tout le monde, de faire tout le monde dans des raisons. Chosia, l'heure est à la raison, l'heure est à la compréhension, l'heure est à la solidarité, l'heure est à la fraternité. C'est ça que nous avons cherché. Message, moyen, en ce sens, pas différent de ce que le président dit. C'est ça, c'est bataille pour nous, c'est combat pour nous. Regardez le comportement de la police. C'est la même chose. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Haïtiens. Nous faisons pour nous vivre ensemble. Il y a des règles, nous ne sommes toujours d'accord. C'est normal. Dans la diversité, nous avons construit plus bel pays, mais dans le respect des droits l'un de l'autre. Et c'est ça que je me demande. Nous demandons de quitter notre travail, revendiquer, critiquer nous, parler avec nous, pas de problème. Mais en respecter les règles jouées là, les règles démocratie. C'est bon, Charles. Ah, merci bien. Excusez, j'aurais des deux questions. Merci bien. Donc, effectivement, nous avons un chose là. Malheureusement, ce n'est pas le seul cas de blessure par balle, il y a des gens qui ont été par balle, mais nous sommes ensemble. Il a joué ça. Dans le Nord aussi, nous avons. Et dans tous les deux cas, la police n'est pas là. C'est ça la bonne nouvelle. Et pour les cas passés, dans la zone Saint-Pierre, nous avons deux informations qui ont été dans le travail sur là. Parce que même j'ai rapport automatiquement de nous information ça. Nous avons demandé IGC, l'inspecteur de la chef là, pour lui, pour une équipe avancée. Et c'est fort de pour lui travailler que vous faites des points de la France la vie. Nous avons deux hypothèses que nous avons travaillées. Une, si on a sorti un de la piste, et l'autre là, il travaille en arrière de sécurité. Donc c'est deux pistes ça. On a exprimé. Sécurité, c'est deux pistes ça, on a exprimé. Mais il vérifie le confirmer dans le nord, c'est un agent sécurité qui tire le monde dans la même malheureusement. Ça a décidé à faire dans le nord. Et c'était une occasion pour nous pour nous déraper à nos compagnies. Même gens qui au niveau BNH n'a pas fait l'effort pour ne pas arriver dans l'usage excessif de la force. Côté que les âmes, suivant toutes les instructions passées, pas nous utiliser n'importe comment. On a demandé pour l'agence de sécurité de faire pour ça. Pour ne pas réaliser un petit peu. Tant bien que mal, on a essayé de réunir à travers les régions du pays, tout le bagage, ça c'est correct. Si nous acceptons dans le nord, on a effectivement des problèmes. Dans le nid, on a effectivement des problèmes. Donc, vice délégué a lui-même des problèmes par balle. Dans le nord, nous avons un policier qui est touché par balle, qui montre que. Mouvement ça n'a pas fait avec tout et j'ai annoncé le temps passif pas fait comme ça oui parce que dans des endroits il y a une violence notamment dans l'or
d'accord avec nous. Pour nous, la police va avoir violence. Pour tout le monde, réaction à la police va avoir violence. La structure nucléaire n'a pas utilisé de force de proche de nous. Et non, non, à un certain moment, nous devons obliger de faire du gaz et du gaz à l'étranger. Parce que là, là, j'ai commencé pour proportion. Et depuis juillet, donc là, il y a. Nous n'y avons pas pire pour nous, mais nous n'avons pas pire pour nous. Dans NIP, nous ne sommes pas capables d'évacuer facilement avec, je me sens en difficulté avec les fils de l'église. Il y a des tirs d'armes automatiques. Parce que voilà la police nouvelle, qui est obligée, dans toute disposition, capable d'évacuer. Des manifestations, est-ce qu'on va craindre que l'opposition va utiliser ça pour dire qu'à chaque fois qu'il y a un bon mouvement, soit président ou président de la police, comment on va utiliser ça selon le deuxième aspect des sondages, PM, il y a annoncé l'année des conférences de presse, mais que le gouvernement a décidé de dire, dans les dernières minutes, on va aller, est-ce que son texte, ça va utiliser ça? Et pour la première question, il est très simple, oubliez que le premier ministre est le président du CSPN. Donc, même le barème dans la réunion de la police, mais présent, parce que le CSPN est toujours avec la police. Ce n'est pas une réunion CSPN qui a fait, mais à tout moment, le président du CSPN peut être requis par le directeur général de la police, ou bien il est capable de regarder ça la police a fait. Et c'est, ça exprimait plutôt une grande collaboration entre la police et le gouvernement. La deuxième question, c'était. Vertière. Pour qui ça? Il n'y a jamais eu de retrait. Nous sommes un gouvernement responsable et qui, à tout moment, a évalué la situation et toujours, dans le sens de notre, de l'assumance de nos responsabilités, nous toujours prenons la mesure et la décision idéale pour tout le monde, pour le peuple haïtien. Aller Vertière, Vertière, ce n'est pas chaque année que le président de Vertière. Mais qu'on est tout le monde de soif pour être à regarder en deux camps qu'a fait Vertière. Ce n'est pas ça un gouvernement. Ce n'est pas ça un président. Ce n'est pas ça des dirigeants responsables. Le dirigeant responsable, il recherche la paix. Et c'est dans le sens de la paix qu'on va parler de stratégie. Mais c'est cette stratégie qui va nous conduire à la paix que nous avons cherché. C'est la stratégie de la protection de la, des citoyens. C'est la stratégie de ne pas répondre aux provocations qui fait que n'a toujours pris les meilleures décisions pour le peuple haïtien. Allez, Vertière, nous prenons Vertière, n'importe qui l'heure. Et gouvernement de Vertière. Gouvernement, pas de Vertière à travers le premier ministre ou président. Mais nous te dit gouvernement de Vertière, gouvernement de Vertière. Ça que vous faites Vertière, la fête Vertière, et nous prenons la satisfaction de tout le monde au cap, de tout le monde dans le pays. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Image la caille, kilti la caille, moun la caille, TNH, télévision la caille. Chérie, venez de me faire sandwich là pour tout le monde, pour nous pas en retard dans le travail. D'où vous permettre en pile? T'as l'envie de me demander ton chef cuisinier, vous pouvez pas manger pour tout? Ah, Boubou, quand est-ce que tu es là pour fâcher? Pareil, les mbou. Vous venez passer dans la boue? Et puis, qui est-ce que tu dois parler en pile avec? Oh,